Demain, on est à proximité d'un ruisseau également. Bien. En pleine nature. Faut comprendre après ce qu'il y a. C'est un peu chaud. Hein? Oui, c'est un peu chaud. Je vois qu'un chemin, moi, et pour lui, je sais pas. Je me pencherai pour celui-là, mais... Bon, et eh bien c'est à partir de là que les problèmes commencent, puisque je ne sens vraiment pas l'étape du lendemain. On manque d'eau, tout simplement. On en avait bien prévu assez, mais le topo guide s'est trompé dans le dénivelé, ce qui fait qu'on a sifflé le 3/4 de nos gourdes en moins d'une heure ce soir-là. Et le lendemain, il y a une étape de 5 heures sans aucune source présente sur le sentier. Et ça, c'est un vrai souci. Moi, je préfère ne pas prendre le risque, sachant que j'avais déjà soif. Il me manquait vraiment, il ne me restait plus qu'un quart dans la gourde. Donc on change de sentier, on le raccourcit, on redescend dans la vallée pour trouver un village et récupérer de l'eau déjà. Et se rend directement aussi à l'étape suivante qui était celle du surlendemain au niveau des crêtes. Et malheureusement en arrivant, d'énormes orages éclatent dans le ciel. Alors c'est magnifique, on fait quand même le sentier mais malheureusement on ne pourra pas bivouaquer le soir. Puisque, je ne sais pas si vous le savez mais un orage sur une crête c'est pas vraiment conseillé. C'est dangereux Et on préfère pareil ne pas tenter le coup. Parfois vaut mieux laisser la nature parler. Il vaut mieux la laisser nous avertir et l'écouter. Et redescendre tout simplement pour rester en vie, j'ai envie de dire. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse quand même contempler le ciel et le paysage.